Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour aller un petit test d'un nouveau jeu, Asphalt, Asphalt Street Storm. Alors j'ai vu le truc, je me suis dit tiens, un nouveau jeu de chez Gameloft, pourquoi pas? Un nouveau jeu mobile, pourquoi pas? Un nouveau jeu Asphalt, oui, pourquoi pas? Asphalt 8, c'est plutôt pas mal, on aime bien. Par contre là, ce que vous êtes en train de voir, franchement, avoir copié CSR2, je comprends pas. En plus, faire une pâle copie, un truc qui est moins bien, parce qu'il faut quand même le dire, c'est quand même super pixelisé, je comprends encore moins. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va très 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 rapidement passer quelques courses pour que vous puissiez un petit peu voir à quoi ça ressemble. Alors le but du jeu c'est pareil, là on va choisir un véhicule, ok on va prendre une Fiesta, une Dart, une BRZ, ouais je sais pas trop, peu importe, c'est normal, on commence avec une petite bagnole au départ, mais franchement le but du jeu bah, c'est super linéaire, puisque bien évidemment il suffit simplement d'accélérer pour gagner en fait, des courses de rue. Enfin, je sais pas, je sais même pas comment le qualifier ce jeu, parce que ouais, c'est vraiment une pâle copie de ce qui existe déjà, et c'est même pas mieux quoi, et c'est plus mauvais, et c'est moche, particulièrement moche, donc je suis extrêmement déçu. Alors en général, quand j'aime bien, je le dis, mais quand je suis déçu, je le dis aussi, et là, je voulais vraiment pousser un coup de gueule, parce que vraiment, Street Storm, je trouve ça très, très, très mauvais. Je vois même pas l'intérêt de ce jeu-là quand il y a autre chose à côté qui est mieux. Alors CSR2, je joue pas, CSR non plus, tout court. Mais ouais, je trouve ça mauvais, sans grand intérêt. Et je suis pas allé plus loin hein, que les quelques courses du début que vous êtes en train de voir. Mais franchement, non, je vois pas l'intérêt. Je comprends pas qu'ils aient pu sortir un jeu comme ça. Alors n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo. Alors je sais pas s'il va y avoir beaucoup de likes sur cette vidéo ou s'il va y avoir des dislikes parce que justement vous aimez pas ce que je suis en train de vous dire. Mais ouais, non. Alors que le jeu sur mobile peut très 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 largement évoluer avec des téléphones, des tablettes iOS ou Android vachement vachement plus puissantes. Et d'année en année plus puissante, là on tombe sur un truc qui est vraiment fait pour faire du pognon. C'est tout. Alors ouais, c'est un modèle économique que je peux comprendre, mais là vraiment, non, c'est un peu se foutre de la gueule du monde, et je comprends pas du tout, du tout, du tout, l'intérêt de faire un jeu comme ça. Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Vous avez compris que j'aime pas le jeu, donc je vois pas pourquoi je devrais continuer encore à vous saouler avec ça. Mais je voudrais quand même votre avis pour ceux qui l'ont téléchargé, pour ceux qui y jouent, pour ceux qui l'ont testé et pour ceux qui voient voilà, les quelques images de ce jeu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On va se quitter là-dessus. On va laisser cette course se terminer. Voilà. Et puis, bah voilà, écoutez, on se retrouve très très bientôt pour une vidéo peut-être un petit peu plus intéressante. Mais voilà, c'est aussi bien de pouvoir parler d'un jeu qu'on n'aime pas. Et c'est vraiment le cas. Et donc voilà, vous ne verrez pas d'autres vidéos de ce jeu-là sur la chaîne. Je m'attendais à tout à fait autre chose. On attendra peut-être un Asphalt 9. Voilà, qui sait, il sortira peut-être un jour. Et puis sinon, bah écoutez, on va continuer à s'éclater avec du Asphalt 8, du Real Racing, du Forza Horizon. Et puis, je pense beaucoup, beaucoup d'autres jeux à venir, parce que j'ai décidé un petit peu de me différencier. Là aussi, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? J'en sais rien. En tout cas, moi, j'ai envie de le faire. Donc voilà, bah, si vous me suivez, c'est très bien. Sinon, tant pis, on se quitte là-dessus. À très bientôt, portez-vous bien, bonne semaine à tous, et puis à ciao!